Et bonsoir et bienvenue pour ce petit stream nocturne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux librairies, les fameuses librairies dont on parle tant, et puis qu'au final, on se rend compte que la plupart du temps, les étudiants ont un petit peu de mal à maîtriser, alors qu'il s'agit de quelque chose de relativement simple. Donc je vous propose ce soir, eh bien, tout simplement de réaliser une librairie. Alors, on va même en réaliser deux en pratique, une librairie statique et une librairie dynamique. Alors, avant de commencer, on va se rappeler un peu de ce qu'est une librairie. Une librairie, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de fonctions en C précompilées et que vous pouvez utiliser dans vos propres programmes. Il existe en fait deux types de librairies, les librairies statiques et les librairies dynamiques. Dans une librairie statique, les fonctions que vous utilisez sont copiées depuis la librairie et incorporées directement dans votre exécutable. Dans une librairie dynamique, au contraire, la librairie n'est pas copiée dans l'exécutable, mais l'exécutable sait où se trouve le code, dans quel fichier librairie, et va aller le chercher à chaque exécution. Alors bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients aux deux modèles. Dans une librairie statique, eh bien, vous pouvez, enfin, en utilisant une librairie statique, vous pouvez avoir du code qui va être dupliqué. Tout simplement parce que si trois programmes, par exemple, utilisent la fonction toto de ma librairie statique, ça veut dire que chacun de ces programmes va disposer de sa propre copie de toto, ce qui représente déjà une perte d'espace disque, hein, tout simplement. Mais qu'en plus, si jamais j'ai mal conçu ou si jamais j'ai introduit un bug dans ma fonction toto, eh bien il faudra recompiler chacun des programmes qui a utilisé ma librairie, afin que chacun de ces programmes soit régénéré avec la nouvelle version, la version corrigée de ma fonction. Dans le cadre d'une fonction dynamique, par contre, eh bien il n'y en a pas besoin, vu que la fonction toto ne serait pas copiée dans l'exécutable. Mais tout simplement, l'exécutable contient une référence au fichier librairie. Il faudrait juste régénérer un seul fichier sur le système et tout se remet à jour. Bon, ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on continue à faire du statique si la librairie dynamique est si avantageuse? Bon, alors forcément, il y a un côté, oui, on est masochiste, on aime se faire mal et on aime torturer les jeunes programmeurs, mais pas que. Ce qui va nous intéresser également dans le fait de faire des librairies statiques, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins d'overhead. C'est quoi l'overhead? C'est le temps de préparation avant d'utiliser une fonction. Eh bien, tout simplement, si la fonction fait partie de votre exécutable, ça va, c'est rapide. Vous sautez au bon espacement mémoire et vous continuez votre exécution. Par contre, dans une librairie dynamique, il va falloir qu'un programme auxiliaire, qu'on appelle le chargeur dynamique, aille chercher le fichier librairie, le charge en mémoire pour la première fois et rende cette fonction disponible. Et ceci, bah, ça coûte un certain temps. Alors, ça ne sera pas du tout gênant dans la plupart des applications, hein. Bon, je pense que si vous êtes, par exemple, en train de concevoir un navigateur, clairement, des librairies dynamiques, c'est pas ça qui va ralentir votre programme de façon notable. Si par contre vous vous placez dans le cadre d'une application embarquée, hein, exactement comme on le disait la dernière fois quand on essayait de compter les microcycles passés dans chaque fonction, là ça peut devenir plus embêtant. Autre chose aussi, il y a aussi un côté immuable dans un exécutable linké statiquement. C'est-à-dire que dans certains cas, le sysadmin aime bien savoir que le serveur qu'il a mis en place, enfin le service qu'il a démarré, ne saute pas à la moindre mise à jour. Donc on retrouve un petit peu une approche qui est de se dire, bon, si je compile statiquement l'exécutable de, je dis n'importe quoi, mon serveur web, et ben voilà, c'est pas parce que je vais mettre à jour mon système que ça va modifier trois ou quatre librairies que mon serveur web va arrêter de fonctionner. Alors c'était une manière de faire avant les approches type Docker, etc., qui maintenant vous permettent un petit peu justement de graver dans le marbre vos installations. Ceci étant dit, Docker c'est bien, c'est très très bien, mais il ne faut pas non plus l'utiliser à toutes les sauces, hein. Je pense que un bon sysadmin se doit de maîtriser les différentes techniques qui lui permettront de faire du travail de bonne qualité. Bon,
Ce petit préambule fait, regardons vite fait comment fonctionnent les librairies dynamiques. Alors, pour commencer, on va aller se placer dans un répertoire où se trouvent plein d'exécutables. Voilà, mon slash bin par exemple. Vous trouvez toutes les commandes Unix de base qui se trouvent sur mon système, et notamment la fameuse commande ls qui devrait se trouver ici. La voilà, vous la voyez à la deuxième ligne. Elle est bien présente. Bon, intéressons-nous à cet exécutable-là. On va utiliser l'utilitaire qui s'appelle LDD, qui va nous permettre de lister l'ensemble des librairies dynamiques utilisées par un exécutable. Ici, on peut voir que ben voilà, mon ls utilise trois librairies, donc Linux VDSO, libc.so.6. Et à chaque fois, vous voyez la librairie qu'il demande et où le système l'a localisée. On peut faire ça pour absolument n'importe quel exécutable. Voilà, par exemple, pour Stix, qui est le terminal que j'utilise ici. Vous le voyez, là, le nombre de librairies est un peu plus important. Et vous voyez comme ça, à chaque fois, quelle librairie dynamique est demandée et où est-ce qu'on peut la trouver. Alors, bien entendu, ici, vous ne verrez pas les librairies statiques. Comme je vous l'ai dit, une librairie statique, la fonction est intégrée à l'exécutable et point barre. Donc, ce n'est pas avec LDD que vous le verrez. Un exécutable peut d'ailleurs mélanger des librairies statiques, des librairies dynamiques sans aucun problème. Ce n'est pas non plus là un souci du tout. Je ne voudrais pas trop m'avancer non plus là-dedans, mais quand même, je ne peux pas vous parler de linking, je ne peux pas vous parler de librairie sans vous parler un petit peu du format des exécutables. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est simple, n'importe quel exécutable sur un système Linux n'est pas fait au hasard. Il possède en fait une entête binaire qui contient un certain nombre d'informations sur cet exécutable. Est-ce qu'il a été compilé pour du 32 ou du 64 bits? Sur quelle architecture? Quelle librairie dynamique justement il doit rechercher? Où se situe le point d'entrée, le fameux main, etc., etc. Le format d'exécutable qui est utilisé pour les systèmes Linux et le format ELF. C'est un format qui est très très bien documenté, qui est très très intéressant à approfondir. Je pense qu'on se fera un stream spécial juste sur le format ELF et ses petits secrets. Lorsqu'on est sous Windows, ce n'est pas le format ELF qui est utilisé. Ce sont des exécutables Windows, leur entête est différente, et en fait, cette entête est lue, bien entendu, par le système d'exploitation pour pouvoir préparer l'exécution du programme lui-même. Donc, ce que fait LDD, c'est ni plus ni moins que lire l'entête de mon exécutable et de lister toutes les librairies dynamiques qu'il est censé utiliser, et ensuite de voir à quel endroit le système la propose. Bon, ceci étant établi, commençons un petit peu et passons au code, parce que je ne sais pas vous, mais moi, le clavier me démange un petit peu. Alors, on va se faire, comme toujours, un petit répertoire pour travailler. Et comme on est des gens bien, on va mettre ça sous Git. Hop, voilà, ce qui me permettra de vous mettre le code directement à disposition sur le GitHub qui est lié tout en bas de la page du stream. Donc, on va commencer par se faire une petite exemple de programme. Hop, on va l'appeler, je sais pas, moi, prog basique. Donc, quand on s'intéresse au C, en général, dans la plupart des bouquins de C, on vous apprend à programmer uniquement sur un seul fichier. Hop, bien sûr, je fais un peu n'importe quoi aujourd'hui. Excusez-moi, on va mettre ça sur l'état de la fatigue. Voilà. Donc, on se fait un joli petit fichier. Et un main à l'intérieur. Alors là, mon main est particulièrement moche, mais c'est pas grave. Pour l'exemple, il suffira. Et on se fait un petit printf
Hello World. Voilà. Donc on va se garder le terminal de gauche pour compiler mon petit exemple. Voilà. Pour compiler, en fait, la première étape, c'est en général de générer le fichier objet, le point .row. On le fait avec gcc-c. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite linker pour générer mon exécutable à partir du point .row. Je sais, ce n'est pas la peine de détailler ces deux étapes dans ce cas-là, mais vous allez voir que ça va vite prendre un petit peu d'importance. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est pas mal, et mon programme est censé s'exécuter. Il affiche bien « Hello World », tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, commençons à introduire des fonctions. Alors, les fonctions, si on est quelqu'un de bien, on commence par les prédéclarer. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elles sont prédéclarées, on peut réellement instancier les fonctions. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à appeler ma fonction depuis le main et tout se passe bien normalement. Je recompile. Jusque là tout va bien, vous voyez, Hello World s'affiche, puis la fonction message est déclenchée et la fonction message affiche bonjour de la fonction message. Jusque là tout va bien. Bon, ça, c'est ce que, comme je le disais, c'est ce qu'on trouve, c'est la forme de programme qu'on va trouver typiquement dans les livres de débutants. En fait, en pratique, dès que vous allez faire un programme un petit peu gros, forcément, votre fichier va grossir, 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 et ça va devenir de moins en moins utilisable. Donc, on va commencer à essayer de regrouper les fonctions par thème. Donc, regrouper les fonctions par thème, ça veut dire qu'on va essayer de générer d'autres fichiers .c, qu'on va couper notre programme en plusieurs sources, et qu'on va ranger, par exemple, la fonction message dans une petite zone séparée. C'est parti. Alors, je vais tout simplement... Alors déjà, on va vite fait... Hop. Je vais vous faire un commit par étape, comme ça, vous pourrez y revenir tranquillement après. Bon, donc je disais que maintenant, il serait temps de séparer mon programme en plusieurs fichiers. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle message.c et un fichier qui s'appelle message.h. Alors, vous avez un petit peu l'habitude, le point C doit contenir le corps des fonctions. Donc, je prends ma fonction, et je passe au point C, et je la colle à l'intérieur, histoire d'être un bon petit gars, je vais quand même inclure message.h. Voilà. Et, comme j'ai un printf, j'ai besoin... ici de stdio.h. Alors vous voyez, bonne habitude, hein, les librairies standards ou les librairies installées sur le système, les headers standards au début, les headers locaux propres à votre projet ensuite. Ok, c'est pas mal. Et maintenant, maintenant on écrit le point h. Donc dans le point h, je dois mettre les types et les prédéclarations. Donc on va récupérer la prédéclaration. On va aller dans le point H, on la colle, et si vous vous souvenez un petit peu des streams qu'on a fait il y a bien longtemps, on doit toujours protéger son point H de l'inclusion multiple, pour éviter que plusieurs programmes, si jamais ils incluent tous le point H, ne prédéclarent tous en même temps les types et les fonctions. Bon, ça c'est parfait. Là, on est pas mal. Du coup, ici, pour utiliser ma fonction,
suffit que j'inclue le header que je viens de faire. Donc, pour que vous ayez les différentes choses à l'écran, voilà, vous avez ici les trois fichiers. En haut, le main.c qui contient... Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Non, c'est bon. En haut, le main.c qui contient donc mon main et qui va chercher à utiliser la fonction message. La fonction message, je l'ai mise dans un message.c et tout fichier.c doit être accompagné d'un .h que vous avez tout en bas. Voilà. Là, c'est la structure telle qu'on pourrait l'attendre d'un projet. Sachant que, bien entendu, hein, vous ne me mettez surtout pas une seule fonction par fichier. Hein. Le but du fichier, c'est de pouvoir en contenir plusieurs. Alors, pour compiler tout ça, comment on va faire? Alors déjà, on va enlever le point haut. On va enlever l'exécutable. Et on va refaire les compilations. Donc, première étape, je compile main.c et je génère mon point haut. Plusieurs égale 2. Oui, en effet. Hop! Je viens de générer mon point haut. Maintenant, je génère pareil le message.haut à partir de message.c. J'obtiens donc le message.haut. Et je peux ensuite passer à la phase de linkage pour générer l'exécutable en assemblant tous les points hauts ensemble. Et ça fonctionne toujours, vous voyez, c'est magique. Bon, un des intérêts de séparer mon programme comme ça en plusieurs, ben c'est entre autres que si je modifie juste une des fonctions, disons par exemple la fonction message, hop, j'ai enlevé les parenthèses, je n'ai pas besoin de tout recompiler. Je ne recompile que le message.c pour régénérer un message.o à jour et je refais la phase de génération de l'exécutable, le linking. Voilà, je n'ai pas besoin de recompiler le main. Bon, ça c'est pas mal. Là, vous avez déjà la base. Bon, si vous êtes quelqu'un de bien, de gentil, de bien élevé par rapport à vos utilisateurs, vous n'allez pas les forcer à compiler ce genre de projet à la main. C'est-à-dire que vous allez au moins, soyez gentils avec eux, leur générer un makefile afin que tout ça se fasse un petit peu automatiquement. Donc, on va se créer un petit makefile pour travailler. Alors, la syntaxe du makefile, bon, c'est le make, on peut faire énormément de choses avec. Hein. C'est un... Oula, vous en avez déjà entendu parler sur ce stream, c'est un outil qui permet de gérer les compilations, en fait de construire les lignes de compilation pour vous. Ceci étant, on peut faire des choses très très évoluées avec, des tests, des boucles, tout ce que vous voulez. Ici, on va faire un petit main juste très basique. Voilà, on va se faire un cflags. Oula, j'ai du mal ce soir. C'est flags. Un peu flagada. C'est flags également wall. Bon, ça sert à rien pour l'instant, mais on s'en fout. Donc, pour construire le main.o, donc c'est la cible, deux points, ce dont vous avez besoin, la source. Et ensuite, alors attention à bien me mettre une tabulation et surtout pas des espaces, hein, ce qui est une erreur. Vous construisez la ligne. Hop. Alors, je ne sais jamais, je crois que c'est l'arobase. On va vérifier ça de suite. Par contre, il me faudrait quand même un moins C. Je peux faire une règle générale, hein, ça ne coûtera pas plus cher. Pour générer n'importe quoi en point haut, il te faut la même chose en point C.
Et pour générer l'exécutable test, il te faut main.raw, message.raw, et la ligne de compilation, ce sera $cc-o, mon exécutable, les drapeaux de linking, hop, il manque une petite parenthèse, et là, je ne sais jamais, je crois que c'est dollar inférieur, pour dire tous ceux qui sont là. Voilà, main.ro et message.ro. Normalement, ça doit le faire. Quand je lance make sans rien, normalement, il me lance la cible all. Donc, je vais faire une cible all, qui, elle, en fait, ne demande que l'exécutable et n'a pas à l'intérieur de dépendance. Pour faire le clean, je ne demande absolument rien. Par contre, je vais faire un rm étoile.o suivi d'un rm test. Voilà, comme ça, ça me nettoiera tout proprement. Donc, si j'ai pas merdé, je fais make, il n'y a rien à faire. Je fais make clean, ça efface tout. GCC-C-all main.o. Alors visiblement je me suis planté dans mon makefile. C'est toujours l'histoire des variables que je ne connais jamais. Oui, c'est normal, puisque là c'est pas la cible que je veux fabriquer. C'est la dépendance. En fait ici, je pourrais faire un truc comme ça. Non. Voilà, là je dois pas être trop mal. Hop, on la refait moins crispée. Hop, tac, 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 tac. Moins hôtesse, moins lm, main.o. Pourquoi il m'a pas pris l'autre? Alors, c'est que là, du coup. Ça doit être celui-là. Bon, comme vous voyez, je fabrique pas des mecs tous les jours. C'est normal parce que j'utilise un autre outil. Ça fonctionne. Bon, pour revenir un petit peu dessus en deux mots, vous avez trois cibles qui sont intéressantes pour construire vos règles. En fait, la règle est composée à chaque fois d'une cible, deux points, de ses dépendances, puis de règles à exécuter. Voilà, ici, vous voyez, pour construire n'importe quoi en point O, j'ai besoin de blabla.c et je dois exécuter cette ligne-là. Pour construire la cible clean, quand je fais un make clean, je n'ai pas de dépendance, donc il n'y a rien après le deux points, et j'exécute ces différentes lignes-là. Bon, jusque-là, pas de souci. Maintenant, ce dollar arrobas et ce dollar chapeau, à quoi ils servent? Le dollar arrobas, dans toute règle, correspond à la cible. Donc ici, à test. Ça m'évite de remettre le mot test ici. Le dollar chapeau correspond à l'ensemble des dépendances. Donc ici, dollar chapeau vaut main.o et message.o. Et il existe une troisième cible, si ma mémoire est bonne. Alors là, je vous laisserai quand même vérifier sur Google. Qui devrait être dollar inférieur comme ça, qui désigne en fait la première dépendance. Donc ici, elle ne vaudrait que main.o. C'est celle que j'ai utilisée par erreur tout à l'heure. Voilà. Donc, on a un petit make. Et vous voyez, tout se construit bien. Quand je fais un make clean, tout se nettoie bien. Bon. On va pouvoir faire notre deuxième commit. On est arrivé à l'étape 2, c'est-à-dire à un programme un petit peu mieux conçu. Deuxième étape donc du travail de ce soir. Bon, ça c'est bien. Sauf que, imaginons deux minutes que je souhaite maintenant, je me dis que les fonctions contenues dans message.c, message.h, éventuellement d'autres fichiers,
sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils pourraient former une librairie que je pourrais réutiliser dans d'autres programmes que mon petit programme basique que je viens de faire là. Donc, on ne va plus gérer un projet, mais deux. Un projet pour une librairie qui va venir s'installer sur le système, et un autre projet qui sera formé principalement de mon main.c, hein, mais d'un programme qui utilisera cette librairie. Donc, on va commencer à se faire ces petites choses-là. Donc, on se crée une librairie, on se crée un répertoire pour le programme. Donc, j'ai décidé que le main.c ferait mon programme, et j'ai décidé que message.c et message.h formeraient ensemble une librairie que je veux installer sur le système. Je vais copier le makefile dans les deux. Donc, maintenant, j'ai deux entités complètement séparées. Commençons par la librairie. Comment doit s'installer la librairie sur mon système? Comment les choses doivent se faire? Eh bien, d'abord, on va commencer par fabriquer une librairie statique, c'est-à-dire une librairie dont les fonctions seront directement copiées-collées à l'intérieur de mon exécutable, comme je l'ai dit au début. Pour le faire, ce n'est pas très très compliqué. Il faut commencer par générer un point haut pour chacun des fichiers C qui composent votre librairie. Donc ici, j'en ai qu'un, c'est relativement vite fait. Et ensuite, on va créer une archive. Une archive avec l'option AR, avec l'outil AR, l'outil d'archivage très ancien sous Unix. On va utiliser les options RCS. On va se créer une librairie. On va l'appeler libmessage.a. Et on va lui donner tous les points hauts à mettre à l'intérieur. Voilà. Vous venez de créer une librairie statique. C'est pas plus compliqué que ça. Une librairie statique, c'est juste une archive qui contient les différents points hauts. Et vous pourrez linker avec cette librairie-là. Fastoche jusque-là. Alors, adaptons notre makefile pour que ça fonctionne. Alors, quand je veux tout fabriquer, désormais, je veux fabriquer libmessage.a. Pour tous les points hauts, je dois générer un point. Pour tous les points C, pardon, je dois générer un point haut. Jusque-là, tout va bien. Donc ici, dans mon petit exemple, je n'ai qu'un seul fichier C, mais on est d'accord que s'il y en avait deux ou trois, ça ne vous poserait aucun problème. Voilà. Et simplement, ce n'est pas une phase de linking qu'on va faire. C'est un AR, RCS, libmessage.a, donc la cible, suivi de tous les points hauts qui ont été définis ici. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Pour faire le clean, on va faire la même chose. Donc ici, on va effacer libmessage.a. Et on va faire un petit peu mieux aussi, on va se faire une petite cible d'installation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire l'installation? Il va falloir déposer le point A et le point H à des endroits qui vont bien sur le système pour que désormais mon compilo puisse les trouver. Alors moi je vais faire simple pour l'instant, je vais les copier dans usr local lib pour la librairie et usr local include pour le point H correspondant. Donc je vais copier le libmessage.a dans usr local lib et je vais copier le message.h dans usr local include. Voilà, pour l'instant on va juste faire ça. Théoriquement, il faudrait quand même faire un ou deux petits chmod, deux, trois petites choses pour installer ça proprement, mais on va commencer comme ça, ce sera déjà pas mal. Donc, nettoyons tout ça, faisons un make, ça se compile, j'ai bien ma librairie qui est générée, mon libmessage.a, et si je fais un make install, il va me jeter en me disant, t'as pas les droits, c'est normal, il faut être administrateur.
Vous voyez, il m'a bien copié les deux aux bons endroits. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop. Dans USR local lib. Alors, je vais faire un petit clear comme ça, on sera en haut de l'écran. Si j'affiche tout. Donc, le lib message.a, vous voyez. Ah, il m'a copié beaucoup de choses là. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ah, mais je suis pas dans le bon répertoire, je suis un peu débile. Excusez-moi. Hop. C'est D. D'accord. Mes excuses. Voilà, c'est beaucoup mieux quand les répertoires sont créés avant de lancer l'installation. Hop. Tac, 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 tac. Tout a l'air bon. Make install. Donc, dans USR local lib, j'ai bien lui qui s'est installé. Les gens ont le droit d'accès en lecture, donc c'est parfait. Et dans include, j'ai bien le point H qui s'est installé également. Donc, ça devrait le faire. Voyons voir maintenant comment adapter le makefile de notre programme. Alors, mon programme s'appellera toujours test, on ne va pas changer ça. Simplement, il n'a plus le message.o qui fait partie de ce projet-là. Il doit utiliser une librairie. Comment on utilise la librairie? Ben déjà, si j'essaie de le compiler tout seul, hop, il me dit, eh, t'es gentil coco, mais je ne trouve pas message. Alors, attendez. Donc maintenant c'est une librairie installée sur le système, donc on va utiliser le supérieur et l'inférieur. On compile. C'est marrant qu'il n'ait pas râlé comme quoi il ne trouvait pas message, ça m'étonne. Ah oui, bon, c'est simplement que j'ai très très probablement déjà des variables d'environnement qui nous facilitent la vie. Et en effet, vous voyez les deux variables du haut là, vous sentez que j'ai déjà un peu bidouillé ce système-là. Voilà, on va voir si là c'est mieux. Non, ça changera rien. Bon. Alors, normalement, il aurait fallu lui préciser le chemin, donc on va le faire. Vous pouvez préciser en fait deux types de choses. Vous pouvez préciser les chemins vers les fichiers H avec le moins grand i. Et ceci se fait pendant la phase de compilation, donc pendant la génération du point O, avec un moins grand i et les chemins dans lesquels il peut aller chercher mon fameux message.h. Pour les librairies, ce sera avec un moins grand l qui sera lui exécuté pendant la phase de linking, la dernière phase de la génération de l'exécutable. Donc ici, je vais lui préciser que les librairies, il a le droit d'aller les chercher dans User local lib. Et la librairie que je vais chercher s'appelle message. Ça veut dire utilise la librairie message pour toutes les fonctions dont tu as besoin. Donc c'est comme si j'avais le message.o à cet endroit-là. En fait, c'est ici là que la magie va se faire. Grand moment de suspense. Tac, 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 tac. Moins L message, moins L user local lib. C'est intéressant. Il ne le prend pas. Pourquoi donc? Fonction main, référence indéfinie vers message. Tout. C'est embêtant ça. Ça devrait fonctionner. Qu'ai-je donc fait de mal? Est-ce que ce serait un problème de droit par hasard? Non, clairement pas.
Normalement, je n'ai pas besoin de préciser plus pour utiliser une librairie statique. Ça s'utilise exactement comme une librairie normale. Toc, 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 toc. Alors, j'ai déjà eu des soucis avec les ordres de variables. Soyons un peu paranoïaques et testons ça. Si je fais un moins haut test. Main.o, là, il va râler. Je lui fais un moins L message. Là, il passe. Voilà, c'est juste une histoire d'ordre des paramètres. C'est ce que je suspectais tout à l'heure. Alors, du coup, il faut simplement que je lui mette la cible avant. Oups, excusez-moi. Avant les flags de linking. Là, ça devrait fonctionner. Parfait. On va juste nettoyer avant. Et voilà. Donc mon test fonctionne toujours et mon test utilise bien la librairie, enfin en tout cas la fonction de la librairie. Comme je vous le disais précédemment, c'est une librairie statique, donc normalement la fonction a été extraite de la librairie et copiée dans mon exécutable. On va le vérifier ensemble. Je vais effacer de mon système la librairie. Hop, quand même être administrateur, c'est la moindre des choses. Alors, use local lib, libmessage.a. Je vais effacer le header aussi, même si vous savez pertinemment qu'il ne sert pas pendant cette phase-là. Je veux que vous voyez bien que je suis honnête. Voilà, j'exécute test, il fonctionne toujours. Si je fais un LDD test, la librairie message n'apparaît pas dedans puisqu'elle est compilée de façon statique. Donc voilà, mon test contient bien une copie de la fonction dont il avait besoin. Bon, ça c'est parfait. Voici un exemple de librairie statique proprement fait. Un petit peu rapide ceci dit, mais proprement fait. Alors, si vous regardez la librairie statique, première chose que vous devez repérer, hop, c'est d'abord qu'elle s'appelle en point A. Voilà. En fait, les librairies statiques sous Linux se terminent en point A et les librairies dynamiques en SO. Deuxième chose à savoir, les noms commencent toujours par lib. Et vous devez enlever le lib et le point A quand vous compilez pour l'utiliser. Par exemple, je vais juste la réinstaller rapidement. Hop. Dans mon programme, regardez bien, la ligne de compilation ne dit pas moins L libmessage.a, elle dit moins L message. Et GCC rajoute tout seul le lib devant et le point A après. Donc, conseil d'ami, ça devrait toujours commencer vos noms de librairie par un lib et par un point A, et terminer par un point A. Voilà pour la librairie statique. Vous voyez, ça n'a rien de très très compliqué en pratique à mettre en place. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas super complexe. On va nettoyer un petit peu les choses. Pardon. Voilà pour là aussi. On va effacer ce qui s'est installé. Hop. Faire local include message.h. On va effacer également le libmessage.a. Voilà, mon système est tout beau, tout neuf, le projet est propre,
on va pouvoir refaire un petit commit pour que vous puissiez disposer du code à la fin de ce stream. Poc, 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 poc. Voilà. Donc ici, c'est programme plus une librairie statique. Tout est bon. Continuons. Dernière étape, ce serait bien que notre librairie statique devienne une librairie dynamique. On va expérimenter un petit peu ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin du tout de modifier le programme qui utilise la librairie. En fait, il n'y a absolument rien qui change là-dedans. Les drapeaux pour utiliser la librairie message, qui sera une librairie dynamique, pour préciser où elle est et le point H, sont strictement les mêmes. Donc là, il n'y a rien à changer du point de vue du programme qui utilise la librairie, ça se fait de la même façon. Par contre, comment faire une librairie dynamique? Là encore, le code ne change pas, uniquement la façon dont on va le compiler. Quand on va compiler nos exécutables, en fait, il va falloir qu'on rajoute une petite option qui s'appelle -f pic. En fait, attention, c'est si ma mémoire, je vais vérifier, mais si ma mémoire est bonne, c'est moins petit f et pic en majuscule. Hein. On regardera ça ensemble. Là, l'objet du fpic, c'est de rendre le code relocalisable. C'est-à-dire que les fonctions ne sont pas conçues pour être placées à un emplacement particulier du code. Elles peuvent être placées absolument où on veut. Donc c'est une petite option que vous devez rajouter pour générer vos points hauts. Ensuite, hop, qu'on va créer, ce n'est plus un point A, ce n'est pas une librairie statique, mais c'est une librairie dynamique. Et les librairies dynamiques s'appellent point SO. Toujours pareil, le nom doit commencer par lib. Voilà. Et enfin, ici, ce ne sera plus une archive, mais de nouveau un appel à GCC. Donc en fait, on va faire un GCC, moins moins shared, pour dire qu'on souhaite, une librairie partagée, moins o, le fichier de sortie, donc libmessage.so, suivi des sources. Donc normalement, ceci devrait faire le travail. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, forcément, j'ai travaillé en route, c'est très très mal ça. Ouh, j'ai même commité en route, c'est très 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 mal ça, Sébastien. Faut pas faire des choses comme ça, tu te fais du mal. Alors, je vais réparer mes bêtises hein, si vous m'y autorisez. Chown moins grand R, seb.seb.git et étoile. Voilà, ça sera beaucoup mieux. C'est mal de compiler en route. Désolé. Alors, dans ma librairie, je tape le make, vous voyez. Donc, le message.c est compilé avec l'option fpic et je crée bien un libmessage.so qui est une librairie dynamique. Si je fais un make install, hop. Là, par contre, il faut que je sois route. Mon point SO va se poser dans usr local lib. Mon point H va se poser dans usr local include. Passons maintenant au programme. Je dis que le programme, je ne changeais rien. Je me contentais de le recompiler. Et vous le voyez. Hop. Ça ne fonctionne pas. Alors, effet démonstration. Tout ce qui se passe en général, c'est simplement que il est bien compilé.
vous le voyez ici, mais simplement, il a réussi à générer l'exécutable, il a trouvé la librairie au moment de la compilation, mais c'est au moment de l'exécution qu'il ne la trouve pas. Alors pour le faire, il existe une variable d'environnement qui s'appelle ldconfigpath. Ldpath ou ldconfigpath? Tiens, j'ai un très gros doute. Est-ce que je ne l'aurais pas déjà par hasard utilisé? Ce serait trop beau et ça me faciliterait la vie. Non. Bonne question. J'ai un doute soudain. Je crois que c'est ldpath. On va essayer avec ldpath, hein, si vous voulez bien. Ldpath. Juste pour lui dire où est-ce qu'elle est. Non. Ldconfigpath. Non plus. Bonne question. Bon, on va regarder mes antisèches. Hein. On va pas avoir honte, on va tricher. Alors, quelle variable c'est? Tac, 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 tac. Machin, on s'en fout. LD Library Path. Eh ben voilà, forcément, c'est le seul que j'avais pas testé. Donc, c'est la variable LD Library Path. Et là, cette fois-ci, il le trouve. Vous voyez, la lib message. Maintenant, elle est trouvée, alors que précédemment, elle ne l'était pas. Ceci étant fait, vous pouvez exécuter le test. Vous le voyez, ça fonctionne. Alors, hop, j'aurais pas dû faire ça en route. Décidément, j'arrive pas à me déloguer du route aujourd'hui. C'est pas bien du tout. Voilà. Parfait. Bon, maintenant que tout ça fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe si on modifie la librairie message sans régénérer l'exécutable? Si on se contente tout simplement, voilà, on voudrait profiter à fond de ce qu'offrent les librairies dynamiques, à savoir changer juste la librairie sur le système et que tous les programmes déjà compilés qui l'utilisent se modifient. Eh bien, allons-y franchement. Alors, je vois une question d'Eric. Pourquoi Git en route, route ROOT, sinon est mauvais. Je comprends pour des trucs comme Firefox ou autre, car ça veut dire que l'application a tous les droits. Du coup, ça peut finir mal. Mais Git. En fait, si je commence à faire des commits en tant que root, après, quand je vais chercher en tant qu'utilisateur normal à pusher dans mon répertoire, je vais me retrouver avec des fichiers sur lesquels je n'aurai pas les accès. Git va me répondre access denied, etc. Et ça va commencer à m'embêter. Donc, dans ce genre de cas, il vaut mieux faire un chown bête et bourrin sur le point git, comme ça au moins tous les répertoires et les objets de git appartiennent au bon utilisateur. Mais c'est un simple problème de droit, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour vraiment te répondre, si tu regardes bien, hop, là ça va, j'ai pas fait trop de bêtises. Mais ça aurait pu être embêtant au niveau de l'identité sur les commits aussi. Et là, il aurait fallu que je fasse un petit amend pour modifier le dernier commit et lui réaffecter le bon utilisateur. Bon, ceci étant dit, c'est pas très grave. Alors, comme je le disais, on va modifier uniquement la librairie dynamique. Merci Eric pour l'abonnement. Hop, je ne recompile pas l'exécutable, je ne triche pas,
Par contre, je vais recompiler la librairie. Oups. Ça m'étonne ça. Voilà. Je vais la réinstaller. Et je vais me contenter, sans le recompiler, de réexécuter mon programme. Ah. Que se passe-t-il? Il aurait dû bénéficier de la mise à jour. Intéressant. Hop. Ah, oui, en effet. Bizarre. Là, je suis bluffé et ça m'étonne fortement. Si je la recompile. Ouh, il se passe des choses pas bien là. Heures 29. Nous sommes d'accord que j'ai bien modifié la bonne fonction. Non, nous ne sommes pas d'accord là-dessus parce que mon VI est ouvert depuis très longtemps et que je suis en train de modifier un autre fichier. Ah là là, j'ai déplacé mes fichiers entre-temps. Désolé pour cette petite étourderie. Donc, pour l'instant, c'est l'ancienne version de la librairie qui est là, et mon programme test affiche bien l'ancienne version de la librairie. Donc, maintenant, allons modifier sans faire n'importe quoi comme moi tout à l'heure, notre librairie. Hop, ça va mieux. Et je me trompe pas de fichier. Modifier. Hop, je recompile. Je réinstalle la nouvelle version de la librairie. D'accord. Et maintenant, si je réexécute test, normalement, la magie devrait se faire. Et voilà. Donc vous voyez là l'intérêt de librairie dynamique, c'est justement de ne pas recompiler tous vos exécutables. Les mises à jour de la librairie dynamique sont automatiquement prises en compte, vu que chaque librairie rappelle à chaque fois la fonction, enfin chaque programme rappelle à chaque fois la fonction dans la librairie d'origine. Donc, bah écoutez, ça c'est déjà pas mal. Pour vraiment conclure, il faudrait quand même que je vous parle un peu du SoName. Parce que c'est important, notamment pour administrer des librairies dynamiques. Alors, pour voir un petit peu tout ça. Oh, un autre abonnement. Merci, Bonnatsu. Bienvenue à bord aussi. Encore que toi, tu es un habitué. Alors, pour voir un petit peu tout ça, allons voir comment on fait les grands dans des vraies librairies. En fait, si je regarde. Prenons par exemple la libxcb-xv.so. En fait, cette librairie-là n'est pas là. C'est un lien symbolique, c'est un raccourci vers libxcb-xv.so 000. Idem, la libxcb.so.0 est aussi un lien symbolique vers celle-ci. Et enfin, vous avez la vraie librairie qui est installée ici. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement pour une notion de compatibilité entre les différentes versions de la librairie. Si par exemple je travaille sur une librairie, bah, je vais travailler par exemple sur la version d'abord 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Les versions vont évoluer. Et je vais faire un changement de ce numéro-là, de ce premier numéro, à chaque fois que l'API va être modifiée. C'est-à-dire à chaque fois que les noms et les arguments des fonctions que propose ma librairie changent. Parce que ça, c'est important.
Si ces noms et ces arguments changent, il faut impérativement faire des modifications dans les programmes qui les utilisent. C'est ce qu'on appelle l'API, Advanced Programming Interface, l'interface de programmation. Vous devez montrer au programme qui vous appelle toujours les mêmes fonctions, même si ce qu'elles font après change un petit peu. Donc ça, c'est le numéro de version. Mais après, au fur et à mesure que je corrige des bugs, je peux moi sortir plusieurs versions qui sont toujours compatibles. Donc ce sont ces deux numéros de version et de sous-version qui sont là. Donc le soname, c'est l'utilisation comme ça d'un nom générique. Ça, c'est la libxcbxv.so, c'est son nom générique. Ça, c'est son numéro d'API, c'est-à-dire pour l'instant, elle est dans sa version 0. Et si j'utilise la version 0, Alex me corrige, en effet, ce n'est pas Advanced, c'est Application Programming Interface. Merci Alex. Donc ça, c'est tant que c'est le SO.0, tous les programmes qui ont été compilés avec une version SO.0 resteront compatibles avec ce fichier-là. Et moi, je peux quand même en sortir différentes versions. Voilà. Ça, c'est le soname. Sauf que dans ce fichier-là, dans le fichier que je génère, je vais pouvoir préciser quelle est sa version d'API, quel est son vrai nom ici. Et ça, vous pouvez le faire avec une petite option. Laissez-moi vous montrer ça. Hop. Tac. Voilà. Donc, vous faites toujours le GCC moins cher de blablabla. Mais vous pouvez préciser moins soname et son numéro, son nom et soname. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes propre. Donc si par exemple je voulais le faire très correctement dans mon programme à moi, je le ferai de la façon suivante. Hop. Donc, pas dans prog, excusez-moi, c'est dans lib. Je modifierai juste un tout petit peu le makefile. Pour que lorsque je génère ma librairie ici, je précise le soname. Donc chez moi, ce sera un libmessage.so.0. Voilà. Et en général, quand on fait ça, on donne un vrai nom complet. Donc moi, ce sera la version 000. Voilà. Et pour faire les choses bien, on crée après les liens symboliques. ln-s. Donc on va le créer dans usr local lib. Alors, j'ai toujours un doute sur... vous m'excusez, mais ça c'est un truc, je dois être dyslexique là-dessus. Je ne sais jamais. Voilà, c'est d'abord la cible et après le lien. Donc ce sera lib message. .so.0.0.0 et je vais créer usr hop local lib libmessage.so.0. voilà, et je vais créer l'autre lien symbolique qui s'appellera juste .so. Et là, vous avez une création des différents liens symboliques nécessaires pour que votre librairie dynamique s'installe correctement. Bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un exercice sur lequel je suis super à l'aise, tout simplement parce que c'est rare que je le fasse à la main avec un makefile. Quand on en est à générer un projet un petit peu, comment dire, un petit peu costaud, voilà, je pense qu'une librairie, ça rentre dedans. Tout ça va rentrer dans un ensemble de choses à faire, c'est-à-dire que vous allez générer la librairie,
Vous allez aussi générer les fichiers pour que PKG config ou pour que d'autres utilitaires de cet acabit-là trouvent automatiquement votre librairie. Vous allez peut-être gérer des fichiers de traduction pour que votre librairie puisse répondre en français, en russe pour Alex, encore qu'il parle mieux français que moi, pour qu'il puisse parler espagnol, anglais, ce que vous voulez. Et donc, généralement, on sera déjà plus au makefile à ce moment-là, mais on utilisera un outil qui vous permettra de générer les makefiles en fonction des librairies, en fonction des outils détectés sur votre machine. Là, on s'attestera soit aux AutoTools, qui sont l'outil par excellence sous GNU, soit à CMake, qui est un outil que certains aiment, que d'autres n'aiment pas, que moi j'adore perso, voilà, qui vous permettra de générer automatiquement vos makefiles. Donc on fera ça dans un petit stream plus tard dans l'année, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de chemin avant d'en arriver là. On peut néanmoins déjà faire de très très belles choses avec le makefile. De toute façon, tous ces outils-là ne font qu'écrire des makefiles à votre place. C'est juste que ça ne vaut peut-être pas le coup de passer des heures et des heures et des heures à vous montrer toutes les finesses du makefile, sachant que même moi-même, je ne les maîtrise pas forcément toujours. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on arrive à peu près à une heure de stream et à la fin du sujet. Donc tout ça me paraît de bon aloi. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ces petites choses vous auront plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, soit dans le chat, soit par mail, soit vous pouvez également nous rejoindre sur Discord. Il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes toujours les bienvenus. Soyez curieux, amusez-vous bien. Voilà. Je pense que déjà pour les premiers projets, Makefile est déjà un bon outil. Hein. Vous pouvez vous lancer avec ça. C'est déjà franchement très très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ce que j'aimerais vous montrer la prochaine fois, je pense que ce sera un bon complément à ça, c'est une autre manière d'utiliser les librairies dynamiques. C'est-à-dire que pour l'instant, la librairie dynamique, elle est chargée à l'allumage de votre exécutable. Ce qui est très bien, ce qui est pratique, ce qui est ce que vous voulez. Mais on peut également... Et là, par contre, ce sera de la programmation et non pas de la compilation, faire en sorte qu'une DLL soit chargée à la demande. C'est-à-dire, dans votre code, déclencher le chargement d'une DLL et pouvoir appeler les fonctions qui sont dedans. Et c'est notamment de cette façon-là que sont réalisés les plugins dans vos logiciels qui peuvent être chargés ou déchargés à chaud et sans rebooter le logiciel. Donc, programme du prochain stream de type tuto, ce sera justement les approches. Comment faire un plugin en C, voilà. Comment faire en sorte que je puisse avoir des parties qui se chargent ou se déchargent sans arrêter mon exécutable. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué et c'est assez sympa en pratique. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous aurez un petit peu moins de moustiques que moi ici. J'espère que vous ne les avez pas trop entendus ronfler autour du micro. À bientôt et merci de m'avoir rejoint ce soir. Ciao, ciao.